nous amuser aujourd'hui. Ouais, mais yeah. Enfin, nous allons mettre le feu aujourd'hui. Nous allons nous amuser aujourd'hui. Yeah. Allez, copine, t'es tellement belle. T'es pas mal, toi, non plus. Je sais, n'est-ce pas? Ouais. Regarde-moi ce derrière. Oh, wouh. Ouais, elle est là. Je sais, ma puce. Eh bien... Tu sais quoi, meuf? Nous sommes ici pour tâcher. Alors faisons tout semblant comme si on s'aimait, d'accord? Je sais. Salut. Salut. Tu es ravissante. Tu es vraiment merci, belle. Merci. Hey. Hey. Vous êtes toute ravissante. Je vais bien, chérie. Vous êtes vraiment toute belle. Je sais. Regarde vu comment elle a mis son derrière jolie. En valeur. Vas-y, Thor. Regarde comment tu es magnifique. Ouh, ouais. Tu dépenses tout ton argent au Nigeria. Regardez-moi ce derrière. Regardez qui nous avons ici. La nouvelle mariée de Lagos. Qui est allée en vacances pendant 4 bons mois. Qui est-ce qui fait ça? Oui, les filles. La nouvelle mariée de la ville. Regardez-moi ça. Ouh, ouh. Hey, c'est elle. Waouh. Hey. Vas-y, meuf, prends-nous pour te voir. Salut, les filles. Salut. Alors, votre copine est de retour. Ouais. Nous allons passer un très bon temps. Tous ensemble. Ouais. Ok, ok les filles, alors aujourd'hui, nous aurons une fête à la plage. Journée à la plage. C'est ça. Alors, pourquoi ne commençons-nous pas par avoir une petite fête pour faire monter les nerfs. Ça va se faire. Que la fête pétons les champagnes. Ouais, c'est pour vous, mes mon cœur. Pour ma bande. Pour la vie. Avec vous, les filles. Ouais, c'est mon véhicule, vous êtes prêtes. Merci, meuf. Je l'ouvre pour une deuxième fois. Ouais. Voilà, faisons-le maintenant. Faisons-le. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va faire la fête ce soir. Ouais. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Santé. Bicycle, we're running a Porsche.
Alors, les filles, ça c'est pour notre copine Daphné. Je lui souhaite d'avoir du fric toute sa vie. Oui, hey, hey, vous voyez cette fille juste là? Elle ne sera jamais fauchée. Jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Les filles, vous me connaissez déjà, je ne suis pas fan de cette affaire de mariage. Mais, si vous voulez vous marier, assurez-vous que ça en vaut la peine. Exactement. Et le plus important dans un mariage, c'est... l'amour, bien sûr. Il s'agit de l'argent. Oui. Alors, les filles, sautez à nous. Nous sécurisons le fric. Ouais. Ok les filles, je pense qu'on devrait continuer cette fête à la plage. Oui, la plage. L'heure de la plage. Allons-y les filles, tout de suite. Il est temps. Quoi? 2 800 000 naira? Ça vient d'où? Pourquoi? Comment? Mais attends. Ouais. Comment c'est possible? Daphné. Daphné. Mon Dieu, c'était tellement génial. D'où est-ce que tu viens? Gérald, c'est quoi cette question? Que veux-tu dire par d'où est-ce qu'elle vient? Elle est ta femme et pas ta fille, hein? Et toi, c'est... Oh, Gérald, arrête. Elle sait... qui est ma meilleure amie? Bien sûr que je sais qui elle est, je me demande juste ce qu'elle fait là. Aussitôt le matin dans ma maison, à me poser des questions stupides. Pas ta maison. Ce qui t'appartient, nous appartient. Cela n'explique toujours pas ce qu'elle fait ici. Gérald, je ne comprends pas pourquoi tu as un problème avec le fait que je sois dans la maison de ma meilleure amie. Madame Oya, sortez. Sortez. Excuse-nous, s'il te plaît. Gérard. Ok, c'est bon, ça va. Comme tu as beaucoup dans la tête, dis-le, je t'écoute, mon mari. Daphné, rappelle-moi à nouveau. Nous sommes allés au lit la nuit dernière ensemble, n'est-ce pas? Et comment se fait-il que je me réveille au milieu de la nuit, je ne te vois nulle part?
Ah. C'est vrai, c'est vrai. Qui m'a appelé pour qu'on aille en boîte? Et tu dormais. Je ne voulais pas déranger ton sommeil. Vraiment? Oh. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends me parler? Oh. Est-ce que tu es consciente que tu es maintenant une femme mariée? Et alors? Gérard. Ok. Dis-moi. Comment se fait-il que moi j'ai reçu un débit de 2 800 000 naira? J'ai utilisé ta carte, bébé. Tu as utilisé ma carte? Et tu oses dépenser 2 800 000 en une seule nuit? Je ne devrais pas être énervé! Maintenant, tu gaspilles la sueur de mon front pour des bêtises. Quoi? Des vêtements? De la boisson? Dis-moi! Calme-toi, bébé. Tu en as assez, je sais. Arrête de stresser. Hey, je suis en train de te parler. Bébé, moi avec mes chaussures. Non, je vais le faire. J'ai mal à la tête, je dois dormir. Bébé. Bébé. Oh, Gérard. Ouais. Ok. Ça marche. Nous pourrons en signer d'autres demain, ok? Non, à toi de choisir. Dans ton bureau, mon bureau, n'importe où, Samira. Tu peux choisir. Ah, ouais, c'est bon, t'inquiète, demain. Daphné. Daphné. Je suis là. Il est 16h. Et à 7h, tu portes toujours ton pyjama. Gérard. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une règle sur ce que je dois porter à une certaine heure? Bien sûr que non. C'est juste que je suis étonné. Ne me dis pas que tu dormais toute la journée. Que suis-je censé te dire maintenant? Parce que pour être honnête, j'ai dormi toute la journée. Waouh. Donc, tu as dormi toute la journée et tu ne t'aperçois vraiment de rien. Il n'y a rien de mal avec ça. Ce n'est pas un problème. Ça n'en est pas. Daphné, cet endroit est une porcherie. Je suis sûr que tu peux le voir. Range-le. Non. Gérard, je ne vois aucun désordre.
La maison est épouvantable. Que je l'arrange. Comment? Gérald a dit ça? Imagine l'injure. Genre, regarde-moi, copine. Meuf, t'es une bombe. Je ressemble à sa bonne? Ça doit être la blague du siècle. Je veux dire, pour qu'est-ce qu'il te prend? Une bonne, ma puce, une bonne, j'imagine. Et s'il cherche une bonne, il pouvait aller dans son village, ou mieux encore, aller dans les rues et ramasser une fille à caniveau. Exactement. Exactement. Ma chère, tu vaux mieux que de laisser un homme te réduire en ménagère. Tout ça au nom du mariage. Pourquoi parles-tu comme si tu ne me connaissais pas? Moi? Écoute, écoute. C'est une assurance de vie. Exactement. Et je suis ici pour profiter de la vie, jouer ma vie. Voilà exactement mon point. Plus de débrouillardise. Je veux juste dépenser l'argent. Il y a je rien de pas travailler. Ça. Sérieusement, meuf. Tu dois mettre les barrières. Je veux dire, je suis mariée depuis 2 ans maintenant. Et je peux te dire avec certitude que je n'ai pas soulevé un doigt pour faire une tâche ménagère. Tu es sérieuse là? Bien sûr, meuf. Tu devrais te trouver une ménagère. Tu sais. Ah, parlons de ton mariage. Je suis désolée, mais tu sais que tu ne publies plus ton mari. Pourquoi? Je sais que tu aimes bien. Ouais, je sais. Tu connais mon mari. Il n'aime pas ses affaires de réseaux sociaux et il ne veut pas que les fans parlent de notre mariage. Tu sais comment les fans se comportent. Alors, Cassie, avec tout ce que les fans disent sur toi. Moi, je crois que tu dois avoir une ménagère. Je me suis trouvée une dès le premier jour. Je pourrais t'en trouver une, ne t'en fais pas. Ouais. Je dois trouver une ménagère. Pour l'amour de Dieu, Daphné, j'ai faim. Oh, Gérard, calme-toi. S'il te plaît, la nourriture arrive. Elle vient d'où? Elle vient d'où? Tu essaies de me faire perdre patience ou quoi? Voyons, Jay. Qu'est-ce que ta patience a à y voir avec ça? C'est bon, je comprends que tu as faim. Je ne sais pas pourquoi. Je nous ai commandé à manger, mais je ne sais pas pourquoi ce livre... Ça suffit avec ces explications que tu me donnes. Arrête ça. Maintenant, je dois dépendre d'un livreur pour manger? Sérieux? Juste... Quelques semaines après m'être mariée à toi, j'ai goûté à toutes les nourritures des restaurants de Lagos. Est-ce que c'est mauvais? Oui, ça l'est. C'est mauvais. La femme que j'ai épousée, j'ai ma femme, bon sang. Daphné, dans ce cas, tu es censée remplir tes devoirs de femme envers moi. Allez! La nourriture arrive. Non, tu vas te lever. Direction la cuisine et me faire à manger. De préférence... L'igname et la sauce égoussée. Maintenant. Ah. J'attends. Et voilà donc ma femme. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Tu veux juste me stresser. Je ne te stresse pas, qui le fera? Bon appétit, mon amour. Bien sûr, je le ferai. Ça a l'air appétissant, non? Tu voulais de l'igname clé ou du tapioca? Non, ceci doit venir. Oui. Comment tu te trouves? Qu'est-ce que c'est? Attends, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Rien. Exactement, même pas du sel? Même pas un brin de sel? Daphné! J'étais censée mettre du sel. Ah, Daphné! Une simple sauce écossée. Jay, je suis sûre que c'est pas si mal. C'est horrible! Daphné, ce n'est même pas bon. Jay, tu t'en vas? Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? C'est
C'est la première et la dernière fois que je cuisine ici. Viens terminer ce repas. Jay! Je ne cuisinerai plus jamais dans cette maison. Incroyable. Mais c'est plutôt bon. Tu reviendras terminer ce plat. Hey, les filles! Qu'est-ce qui est si drôle? Racontez-le-moi, s'il vous plaît. Ok, donc, on parlait de comment on allait garder nos corps de rêve toujours impeccables. Parlons de corps, mon amour. J'espère que t'es pas prête à perdre ce magnifique corps pour une grossesse. Non, mais elle est sérieuse, là. Les filles, regardez-moi bien. Est-ce que j'ai l'air de vouloir perdre ce corps qui m'a coûté des millions de dollars? Tu ne devrais pas, ma puce. N'y pense même pas, ma puce, je t'assure. Attendez, les filles, je ne comprends pas. Essayez-vous de dire que vous ne voulez pas tomber enceinte? Pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Alors à quoi ça lui sert d'être mariée? Pourquoi penses-tu que je me suis mariée à un homme de 90 ans? Pense-y. Les filles, vous êtes ridicules. Meuf, s'il te plaît, laisse cette conversation à celles qui sont mariées, d'accord? Merci, meuf. Alors, meuf, que veux-tu dire par? Salut, bébé. Retrouve-moi dans la chambre maintenant. Les filles, je vous verrai plus tard, ok? Amusez-vous ouais, bien. Ok. Vous croyez qu'il y a un problème? Oui, Casey, il y a un problème. Et le problème, c'est entre toi et moi. Casey, que veux-tu dire par « laisse cette conversation pour les femmes mariées » Exactement ce que ça veut dire. Pas ici, les meufs, je vous en prie. Ah. On se calme, d'accord? Ok. Je vais dire ceci de la façon la plus simple possible. Je n'apprécie pas le fait d'emmener ces filles dans ma maison tous les jours que Dieu a créés. Attends, tous les jours? Non, Gérard, elles ne sont pas toujours ici. Et ces dames, bah elles sont mes amies. Attends, j'espère que t'es pas en train de me demander de me débarrasser de mes amis. Tu es maintenant mariée et... Et quoi? Gérard, donc, ma vie s'arrête. Gérard, tu me demandes de me débarrasser des gens que j'ai rencontrés bien avant toi? Ça fait juste 9 mois que je t'ai rencontré. Non, tu es mon épouse. Je ne comprends toujours pas ton point. Regarde, nous sommes un couple maintenant. Nouvellement mariés. Nous ne devons pas mêler les gens dans nos affaires. Nous ne devrions pas admettre une tierce personne. Nous devons mettre des limites. Des limites. Gérard. Tout ce que tu dis n'a absolument pas de sens. Mais, Gérard, écoute, si tu n'aimes pas mes amis, alors tu vas devoir t'y faire. Car ces filles sont ma bande. Et je suis liée à elles pour la vie. Est-ce que c'est clair? Ne me pousse pas à te demander de faire un choix entre ta bande d'amis et notre mariage. Mon très cher mari, ne me pousse pas à faire un choix.
Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Merci, madame. Caro. Caro avec le K, pas le CO. Caro. Cassie, d'où viens-tu avec cette fille? Ne prête pas attention à elle, elle est juste drôle. Écoute, Caro, je sais que tu as une bouche légère, mais la raison pour laquelle je t'ai amenée ici, c'est que ton mangeur dit que tu es travailleuse. Alors tu ferais mieux de bien te tenir. Oui, madame. Et Caro, est-ce que tu as déjà travaillé comme ménagère auparavant? Madame, ton ami vient de le dire, c'est mon destin. Hey, madame, j'ai déjà travaillé dans environ 67 maisons. 67? Oui, madame. 20 dans le quai, environ 9,5 dans Ikoyi. Et madame, c'est 9,5 dans Ikoyi même. Eh bien, Cassie, je t'ai dit qu'elle était une travailleuse. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'agit pas d'une travailleuse. Je vois là une femme qui a été renvoyée plusieurs fois. Cette femme est intelligente, oh. Hey, Dieu merci, une belle maison. C'est vrai, oh. J'ai reçu beaucoup de lettres de renvoi. Madame, personne n'a reçu de lettres de renvoi dans cette vie, plus que moi. Caro. Madame. Tu le sais, comme tu peux le voir. Toutes mes patronnes, surtout celles-là qui vivaient à Lucky, environ 20 parmi elles, elles ont dit, comme vous pouvez le voir, je suis très belle. Hein? Elles ont dit que j'étais courbe. C'est vrai, oh, ce n'est pas une blague. Elles ont dit que je suis chargée devant. Je sais cuisiner. Normalement, je suis une femme mariable. Normalement, je suis une femme. Mais oui, oh. Mais ce n'est pas de ma photo, regardez. Elles ont dit, elles ont commencé à mentir, elles ont commencé à inventer des histoires comme quoi j'attirais le mari. Moi, hey, hey, hey. Madame, ça ne s'est pas arrêté là-haut. Elles ont... Hey, hey, hey. Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu bouger ton popotin de mon fauteuil? Cassie. Madame, c'était des histoires, ne te fâche pas. Écoute, je te donne cette opportunité à cause de mon ami. Alors j'aurais vraiment besoin que tu m'aides. Merci, madame. Ne me déçois pas. Pas du tout, madame. Je ne veux pas le faire. Ah, tu vas augmenter mon salaire, ne t'en fais pas. C'est quoi toutes ces couleurs? Tu aimes, n'est-ce pas? Je savais que tu allais aimer, je suis stylée. Tu vois mon style, madame. C'est le mélange de couleurs. Où est ma chambre? Je vais te montrer comment le faire. S'il te plaît, où est-ce que ma chambre se trouve? J'ai trouvé un travail, où est-ce que ma chambre se trouve? C'est tout droit. Hey, normalement, je suis une femme mariable. Daphné. Daphné. Hey, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hey. Ah. Tu croyais que je dormais? Je ne comprends pas. Ta patronne, qui est ta patronne? Tu es placée là, tu me poses des questions? Tu es placée là, tu me poses des questions? Hey! Si tu ne pars pas d'ici, je vais leur dire que tu es un voleur. Mais qui a amené cet taré dans ma maison? Tiens, un voleur! Hey, vas-tu arrêter? Tiens, hey. Qui es-tu? Tu fais remettre ta vie. Madame, il y a un voleur chinois! Voleur! Eh ouais! Voilà! Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Madame, j'ai levé. C'est un voleur. Qu'est-ce que tu fais? C'est un voleur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête, ça suffit. C'est mon mari. Est-ce que tu peux m'expliquer qui est cette personne? S'il te plaît. J'espère que ça aura un sens. Bien sûr. Elle, c'est Caro, la nouvelle femme de ménage. Oui, monsieur.
La ferme. J'essaie juste de protéger madame. Une ménagère? Oui, je veux dire, Cassie est venue avec elle aujourd'hui. Oui, monsieur. Bienvenue, monsieur. Voilà. Ne fâche pas, monsieur. Retrouve-moi à l'étage. Madame, aide-moi. Aide-moi ce pied, monsieur. Ne te fâche pas. Je n'ai pas encore eu mon salaire. Je n'ai même pas encore travaillé. Caro, c'est quoi cette malchance? C'est quoi cette façon de dormir? Qui t'a dit de dormir, Caro? Daphné, depuis que nous nous sommes mariés, je suis devenu un homme très malheureux. Pourquoi tu continues à faire des choses qui me tapent sur le système? Gérard, je suis confuse. T'ai-je dit une fois que j'avais besoin d'une ménagère? Je t'en prie, Gérard, ce n'est pas quelque chose dont on doit parler. Nous savons tous les deux que nous avons besoin d'une ménagère dans cette maison. Tu amènes une étrangère dans ma maison et tu me dis qu'il n'y a rien à dire par rapport à ça? Gérald, je t'ai dit que Cassie est venue avec elle. Je ne sais même pas qui... Qui diable est cette Cassie? Qui est-elle? Une étrangère qui prend des décisions à ma place? Oh, voyons. Ne m'énerve pas. Ne me touche pas. J'ai tellement essayé de... tellement essayer de garder mon calme. Très bien. Alors, continue d'essayer. Car tu prends toute cette histoire à cœur. Tu prends tout à cœur. Car Cassie n'a rien fait de... mal. En nous trouvant une ménagère. Toutes mes copines mariées ont une ménagère, pourquoi pas moi? Je fous de tes amis mariés. Est-ce que tu comprends ça? Tu es une femme mariée. Tu dois t'occuper de ton foyer. Gérald, je... m'en soucie. Ok? Je t'en prie. Bébé. Allez. On ne devrait pas faire ça. Hein? Toi et moi, nous sommes une équipe. Et notre équipe, c'est contre le monde. Je suis de ton côté. Tout ce que je dis, c'est que nous sommes un nouveau couple. Nous n'avons pas besoin d'une ménagère. Nous n'en avons pas besoin. Pourquoi? Pourquoi? Non, chéri. C'est bon, ok? Prépare-toi juste à faire les travaux tout seul. D'accord? Je ne serai pas responsable de ça. Ne me laisse pas parler de toi. Et tu vas pas. Non. Et tu y es quelqu'un. Voyons, qu'est-ce que je vais faire? Continue d'exister, continue de voler. Si quelqu'un ne parle pas de toi, oh, alors tu es quelqu'un, oh. Hey! Continue. Ah, madame, bonjour, madame. Oui, bon après-midi, bonjour. Madame. Ne te fâche pas. Caro? Madame? Dépêche-toi avec la nourriture, mon mari a déjà faim. Le mets de Jericho. Madame, ne te fâche pas. Oh. Tu es vraiment belle, oh.
Madame, s'il te plaît, ne te fâche pas, mais tes fesses, c'est l'opération? Où est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Tes fesses. Caro. Oh Dieu, madame. De quoi est-ce que tu parles? Mais tu es belle. Regarde comment tu es belle. Et tu vois, tes fesses comme ça, hein? C'est comme pour ces... C'est frivole. Femme frivole sur Instagram. Toutes ces femmes frivoles sur... Caro. Madame. Est-ce que tu as fumé la nuit dernière? Je ne fume pas. Alors de quoi est-ce que tu parles? Je ne sais pas si c'est naturel ou c'est l'opération. Madame, ne te fâche pas. Es-tu folle? Non, non, madame. Non, 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 non. Tu es... Non, madame. Caro, tu es folle. Je sais, je suis folle. Caro est folle, madame. Désolée, madame. Tu sais quoi? Je comprends pourquoi t'avais toujours des lettres de renvoi. Écoute, Caro, si tu ne fais pas attention, ce sont mes lettres que tu recevras. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. N'importe quoi. Madame, ne te fâche pas. J'aime ce travail. J'aime aussi tes fesses. Une simple question que j'ai posée. Si c'est l'opération, ou c'est Dieu qui a donné, ou c'est le docteur, pourquoi madame se fâche? Simple question, madame se fâche. Caro, t'as pas... C'est le naturel. Caro, tes fesses sont plus jolies que pour madame. Si quelqu'un parle de toi, alors tu es quelqu'un. Aie confiance. Tes fesses sont naturelles. C'est naturel. Les fesses de Caro sont naturelles. Waouh! C'est la première fois que j'entends ça dans cette maison. Tu comprends pourquoi c'est important d'avoir une ménagère? Ok. Oups, désolée. Waouh! Bébé. Je vais manger cette nourriture à une condition. Laquelle? Si je n'aime pas, elle partira. Si j'aime, elle restera. Mais tu devras apprendre d'elle. Gérald, que veux-tu dire par « je vais devoir apprendre d'elle » Pourquoi? Pourquoi essaies-tu si dur de me rendre une ménagère? Si t'aimes sa bouffe, c'est très bien, alors engage-la en tant que chef. Gérard, tu m'as trouvée comme une reine. Et c'est pour cela que tu m'as épousée. Parce que je me comportais très bien, comme une reine. Alors pourquoi t'attends-tu à ce que je me comporte comme une servante? Faire la cuisine pour ton mari ne fait pas de toi une servante. Bien sûr. Surtout que quand l'homme en question, c'est Monsieur Gérard Anossi. T'as de l'argent pour l'engager en tant que ménagère. Mais non. Tout ce que tu veux, c'est que j'aille là-dedans et souffrir dans la cuisine. Pourquoi? Daphné, pas maintenant, pas maintenant. Je ne veux pas être en retard, Marion. Je ne peux pas le faire maintenant, s'il te plaît. Régale-toi. Bébé. J'aime vraiment les disputes, toi, là. Je t'en prie. Va-t'en. C'est vraiment délicieux. Tu très es? Délicieux. Je suis conquis. Elle oui, va rester. Bien sûr. Mais tu devras apprendre d'elle. Désolé. Délicieux. Vraiment très bon. Je vais devoir augmenter son salaire. Nous y sommes. Alors tu voulais voir à quoi ressemble ma chambre? Oh mon Dieu. Ma puce. Ça, c'est du luxe. Tu t'attendais à voir autre chose? Bien sûr que non. Daphné. Hé,
oui. Tu es venue dans ce mariage pour en profiter, voyons, mon ami. Tu sais bien comment on fait. Hey. Oh mon Dieu. Non. C'est sûr. Ça, c'est mon lit matrimonial. Ce qui est à toi est à moi. Le luxe. Je voulais te demander, comment est-il au lit? Kim, si je devrais noter Gérard sur 100, alors je lui donnerais 120. Dis-moi plus. Oh mon Dieu, Gérard est si bon, je t'assure. Il sait comment me le donner. Tu vois, avec lui, j'en fais toujours. Je pourrais continuer à les faire pendant 24 heures. Je t'envie. C'est ce que nous voulons toutes. Je veux dire, un homme qui peut te satisfaire au lit, dépenser sur toi. Regarde comment tu es belle. Meuf, tu sais quoi? Épouser Gérard est la meilleure chose que j'ai eu à faire de toute ma vie. Tif-tif. Allô, bébé. Tu m'as aussi manqué. Oh. Ce week-end, qu'en est-il de ta femme et de tes enfants? Ils sont hors du pays? Ok, j'ai hâte de te voir. Ok, je t'aime. Laisse-moi deviner, tu viens juste avoir un rendez-vous. Copine, tu sais comment ça se passe. Je dois satisfaire ces hommes qui se retrouvent dans des mariages en ligne. Ma chérie, tu sais très bien comment pimenter leur vie. Voilà ce que je suis venue faire dans cette vie. Copine, je dois partir maintenant. J'ai rendez-vous avec Fred Darlington ce soir. Kim? Le même Fred? Meuf, bien sûr, c'est le même Fred. Kim, il est marié à une actrice d'Hollywood. Sans souci, s'il te plaît, c'est mon Fred. Regarde-toi. Regarde-toi, oh mon Dieu. Oh, allons-y. Mon Dieu. Franchement, la personne qui travaillait ici ne nettoyait pas du tout cette maison. Ah, regardez la maison. Ce monde n'est pas ma maison. Je ne fais que passer. Regardez l'argent. Regardez l'argent. Même le chef de mon village n'a pas l'argent qui a le même prix avec ce joli truc. Ce monde n'est pas ma maison. Je ne fais que passer, c'est vrai. C'est incroyable, oh. Hey, regardez la lumière. Ce n'est pas la lumière. Mais c'est la lumière, non? Ce monde n'est pas ma maison. Je ne fais que passer, c'est vrai. La personne qui a ce genre de maison, c'est un voleur. Ce patron, s'il n'est pas un voleur et s'il n'est pas dans les loges, ça veut dire qu'il utilisait l'utérus de sa femme pour faire des rituels. Ou alors il a tué sa mère pour avoir de l'argent. Tout le monde est qui mange trois fois, ces gens. Il ne mange même pas trois fois, il mange 3, 4, 5, 6 fois. Et les gens souffrent. Ce monde n'est pas ma maison. Je ne fais que... Daphné? Daphné? Ne te fâche pas. Que se passe-t-il ici? Qui es-tu? Qui je suis? Hey, Caro, qui je suis? Qui es-tu? Tu viens chez quelqu'un et tu lui demandes qui il est. Qui es-tu? Oh Dieu, c'est évident que tu n'es pas sur Instagram. Mais ouais, il est évident que tu viens du village. Oui, parce que si tu étais sur Instagram, tu saurais qui je suis. Hey, si je suis dans Instagram. Instagram, toi, qui es-tu? Attends. Qui es-tu? Viens-tu tout juste me toucher? Ah, l'ange. L'ange, je ne dois pas te toucher. Daphné! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches les gens et tu demandes qui je suis. Daphné! Tu demandes qui je suis. Caro. Madame.
Caro, donc tu veux me dire que tu ne sais pas ce que tu es censé faire? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que Caro doit faire? Tu as frappé sur ma copine et tu me dis que tu ne sais pas ce que tu es censé faire? Hey, madame, ce n'est pas comme ça qu'on juge une affaire, non? Madame, tu dois chercher à savoir qui a tort et qui a raison. Et puis tu vas savoir si elle méritait la bastonnade ou pas. Caro, madame. Mets-toi à genoux tout de suite et demande pardon à ma copine. Madame, Caro. Oui. M'agenouiller pour celle-ci. Bien sûr. Ne te fâche pas, oh. J'ai pas plié mes bagages au lieu de m'agenouiller pour ce genre de personne. N'importe quoi. Moi, Caro. Caro. Madame. Daphné, au diable as-tu ramassé cette fille? Tout le monde a cassé. De toutes les façons, copine, ce n'est pas ce qui m'amène ici. J'ai vraiment besoin de ton aide. Alors, pourquoi es-tu là? Tu te souviens de la voiture que j'ai achetée pour mon anniversaire? J'ai en effet acheté cette voiture à crédit. À crédit? Ouais. Oh mon Dieu. Et maintenant, copine, cet homme n'arrête pas de me harceler. Il menace de m'exposer ou envoyer tous les détails à mon entreprise. Ce ne serait pas bon pour ma marque. Et en quoi c'est censé me concerner? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Oui. Freya, je t'avais donné 10 millions de Naira. Je sais que c'est, tu ne m'as jamais remboursé. Comment est-ce que je dois faire ça? Rembourser. Je ne peux pas faire ça. Ah, ah. Reviens ici. Hé, tout de suite. Où vas-tu comme ça? Je retourne chez ma mère. Caro, Caro, c'est bon, je suis désolée. Retourne à l'intérieur, j'ai encore besoin de toi. Madame, maintenant, hein, je pars à la 69e maison. On m'attend là-bas. Ok, ok, ok. D'accord, Caro, désolée. Rentre à l'intérieur, j'ai encore besoin de toi. T'en vas pas maintenant, je t'en prie, pitié, reste. Hey, c'est madame qui est la plus grande, oh. Hey, hey. Bébé, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je me sens tellement faible, j'ai la tête qui tourne. Oh, je suis désolée. Ok, allons voir le médecin. C'est bon. Bébé, j'irai plus tard. Non, non, bébé, je ne peux pas partir de cette maison et te laisser comme ça. Gérald, tu t'apprêtes pour le boulot et je suis sûre que tu as beaucoup de réunions d'affaires à attendre. Hé, 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 Daphné. Tu es ma femme. Et dans ce cas, tu es ma priorité. Toute réunion d'affaires peut attendre. Oh. Allez, habille-toi, allons voir le docteur, ok? Si tu insistes. Qu'est-ce qui se passe, Daphné? Samantha, je suis finie. Samantha, je suis enceinte. Quoi? Comment? Quand? Comment as-tu pu être négligente? Juste cette fois que j'ai oublié de prendre ma pilule du lendemain, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Allez, meuf, nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Que vais-je faire maintenant? Nous devons nous débarrasser du bébé. Samantha... J'ai sauté la partie où Gérard et moi nous sommes allés à l'hôpital ensemble. Il m'a suivi à l'hôpital. Il est si têtu, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, je t'en prie. Tu sais tout ce qu'on a fait pour avoir l'argent pour cette chirurgie. Et comment peux-tu perdre ce corps pour un bébé? Non, 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 non. Je ne peux pas perdre mon corps. Je ne peux pas perdre mon corps. Nous devons faire quelque chose.
Samantha, dis-moi, que dois-je faire, je t'en prie. Que vais-je faire là tout de suite? Nous allons faire quelque chose. Et... je n'arrive pas à le croire. Monsieur, bonjour, monsieur. Ça fait combien de temps que tu es placé là? Ah, monsieur, tu sais que Dieu est très bon. Dieu connaît faire son travail. Tu vois? Ah, Dieu a fait du son mieux avec toi au patron. Ah, regardez comment mon patron est beau. Hein? Mon patron est beau. C'est quoi ton nom encore? Caro. Caro. Oui. C'est censé être un compliment? C'est à Dieu. Oui, c'est Dieu que j'ai apprécié pour mon patron. Bien, je n'apprécie pas ce genre de compliment venant de toi. Ne te fâche pas, monsieur. Bébé! Bébé! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Désolé. Allons à l'hôpital. Caro! Caro! Attention. Bien, ne t'inquiète pas. Monsieur, apporte-moi la clé de ma voiture. Apporte-la. Madame va mourir. Tu vas dégager de là. Madame, ne meurs pas. Désolé. Hé, madame ne peut pas mourir. Désolé. Madame, ne meurs pas. Désolé. Hé. Désolé. Ah, madame, ne meurs pas, hein. Ne meurs pas. C'est bon. J'arrive pas à croire que j'ai perdu mon bébé. Mon bébé. C'est vraiment bizarre que les docteurs n'ont pu dire avec exactitude ce qui n'allait pas.
Que vais-je faire? Comment est-ce que ma joie s'est transformée en tristesse en un clin d'œil? Je veux juste mon bébé. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ok? Ne pense plus de la sorte. Et regarde-moi. Ça fait juste quelques mois qu'on s'est mariés, ok? Nous aurons tellement de bébés, aussi nombreux que tu voudras. Je veux mon bébé. Bébé, calme-toi, okay? Je veux juste mon bébé. Je veux mon bébé. Calme-toi. Je suis là, ok? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger quelque chose? C'est bon. Oh mon Dieu. Kim, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu entres ici? Je ne comprends pas. Tu me demandes de me calmer alors que tu envahis mon espace privé. Je ne peux pas me calmer. Est-ce que ton ami sait que tu es ici? Oh, Gérald, elle ne le sait pas. Elle n'est pas obligée de le savoir. C'est une blague? Ne t'approche pas de moi. Oh, allez, bébé. Ne me touche pas. Je ne suis pas ton bébé. Écoute, tu dois sortir de cette chambre maintenant. Maintenant. Oh, putain, Gérald. Tout le monde sait que je suis attirée par les hommes mariés. Et aussi, Daphné m'a dit à quel point tu étais bon au lit. Je viens de confirmer moi-même que tu as un gros bras de vitesse lambe. Ça, c'est la pure folie. La vraie folie. Je ne peux accepter ça. Est-ce que quelqu'un t'a vu monter par ici? Personne ne m'a vu, c'est bon. Bien, 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 bien. Écoute-moi. Ceci ne peut se passer, ok? Je vais faire semblant comme si rien ne s'est passé. Tu vas juste quitter cette chambre maintenant et t'assurer qu'elle ne te voit pas. Oh, je ferai cela quand on aura terminé ici, bébé. Attends, tu vas m'écouter, bon sang. Je ne veux pas être sauvage avec toi. J'aime quand c'est sauvage. Hé, sors de ma chambre! Dégage! Gérald... Tout le monde sait que je suis la fille qui sort le plus avec tous les grands hommes des Legos. Ok. Et ce sera un privilège pour toi d'avoir une liaison avec moi. Et fais-moi confiance, ne te presse pas de dire à Daphné ce qui vient de se passer, parce que très bientôt tu réaliseras que tu as envie de moi. Aujourd'hui, Cassie a eu un pneu crevé et on a appelé quelqu'un pour nous aider. Samantha était là à nous regarder bizarrement. Ensuite, elle a pris un taxi, puis elle est partie. Je ne comprends pas Samantha, des fois. Et dans tout ceci, Kimberly n'était pas là? Non, elle se sentait pas bien. Hein? Pourquoi? Non, je suis juste étonnée. Je n'ai pas entendu son nom depuis que tu as commencé à parler. Elle a appelé pour nous dire qu'elle ne se sentait pas bien. Mmh. Mais je suis sûre que c'est l'une de ses excuses bidons pour passer du temps avec son copain marié. Mmh. Attends,
sait donc qu'elle sort avec des hommes mariés? Bah voyons qu'il ne le sait pas. Et cela ne te pose donc aucun problème? Je te demande pardon. Daphné, toutes tes amies, elles ont toutes des défauts. Il n'y a vraiment pas une pour attraper l'autre. Elles sont toutes négatives, avec des attributs négatifs. Et jusque-là, tu ne vois toujours pas le moyen de t'en débarrasser. Je me demande si je suis en sécurité. Gérard, t'as pas l'air de comprendre, n'est-ce pas? Écoute, ma relation avec ces filles n'est pas basée sur le caractère ou alors la moralité. C'est juste basé sur le statut financier et nos abonnés sur les réseaux sociaux, ok? Est-ce que tu t'entends même parler? Ça n'a pas l'air déconneré pour toi? Non. Peut-être pour toi, mais jamais pour moi. Ok. Mais tu dois savoir que Kimberly était ici plus tôt. Elle est venue dans notre chambre, essayant de me pousser à faire quelque chose avec elle. Je ne sais pas pourquoi tu trouves ça drôle, alors je trouve que c'est drôle. Je crois vraiment que j'invente tout ça. Mais je suis sérieux, elle m'a demandé de ne pas te le dire. Gérard. D'accord, c'est Gérard. Monsieur Gérard Anossi, tu essayes, tu t'efforces et tu le fais si bien, crois-moi. Mm-hmm. Tu essayes si bien de me séparer de mes amis. Je sais que tu ne les aimes pas. Mais devine quoi? Tu ne gagneras pas, ok? Tu peux te régaler. Pouvez-vous imaginer cette femme?
J'ai un homme adorable qui n'a pas de secret avec son mot de passe. Gérard. Oui. Je dois supprimer cette transaction. Oh mon Dieu. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour, mon roi. Ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hey! Bonjour, monsieur. C'est quoi tout ça? Désolé, monsieur. Je me suis dit... Je voulais te donner ta nourriture ici. Hein? Comme le petit déjeuner au lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand? Comment? Comment ça a commencé? Mais non, monsieur. Je me suis dit que je pouvais commencer à faire tout ceci pour toi. Tu vois? Oui, ma femme. Elle est sortie où? Depuis. Pour aller où? Monsieur, je ne sais pas où ta femme est partie. Oh. Je ne sais pas où elle est partie. Mais monsieur, je voulais te dire, je voulais te demander, c'est une petite question. Oh. Monsieur, je vais te demander, qu'est-ce que tu vois sur le corps de madame? Sa fesse? Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce normal? Tu as perdu la tête? Je vais bien, oh, monsieur, parlons vrai. Toi et moi savons que madame n'est pas une femme mariable, comme moi. C'est moi qui fais tout, dans cette maison. J'ai l'impression que tu es fatiguée de ce travail. Ah, monsieur, tu le sais, non? Ce travail fatigue Caro. Caro est fatiguée. À ce stade, hein, c'est maintenant que Caro aura sa promotion. De Caro, la ménagère, à la maîtresse de cette maison. Quelque chose ne va pas dans Mais ta tête. Mais non, c'est moi qui m'occupe de la maison. Attends. Est-ce que tu as fumé un truc? Fumer? Est-ce que tu fumes quelque chose dans la nuit? Fumer? Monsieur, ne me parlez pas comme ça, je n'ai pas fumé. Viens, sans ma bouche. Si tu n'as rien fumé, que rien ne te fait planer, alors je suis sûr que la folie règne dans ta famille. Monsieur, Caro n'est pas folle, tu sais ce que j'ai dit, non? Mais alors tu as forcément un problème spirituel, parce que je me demande bien ce que tu fais ici. Monsieur, toi et moi nous savons, tu vois madame. Madame est comme toutes ces choses. Quand on commande, et on dit commande, commandez sur Instagram. On passe notre commande sur Instagram. Ils vont l'acheter, manger et nettoyer leur bouche. Tu vas encore passer la commande sur Instagram. Ils vont manger. Ah, oh gars, tu as acheté ta part sur Instagram. Tu as pris ta part. Madame, tu es allé avec à l'hôtel. Tu as donné à Dieu. Qui fait ça? Sors de ma chambre maintenant. Caro, sors de cette chambre. J'ai compris, je n'ai rien fait de mal. Reviens. Prends cette petite que tu as portée. Monsieur, ne te fâche pas. Oh. Tu sais que même la Bible dit, si tu connais la vérité te rendra libre. Allez, dégage! Ne te fâche pas. Madame est une femme d'Instagram. C'est incroyable. Tu ne vas pas croire à combien de personnes je dois dans ce négoce. Rhea, le problème est que tu te tracasses trop. Tu dois te détendre. Comment? Tu ne peux pas m'en vouloir, non?
Je veux dire, la pression sur Instagram de nos jours est de taille. Ma chère, je ne suis pas la seule à être sous pression. Dans tous les cas, voilà. L'argent que tu m'as demandé. Quoi? Il t'a donné cet argent? Je l'ai fait. Oh, tu veux dire que tu lui as volé cette grosse somme d'argent et il ne l'a pas constaté? Meuf, as-tu oublié qui est mon mari? C'est juste un bébé pour moi, t'en fais pas. Meuf, tu dois continuer à lui voler plus d'argent. Quoi? Oui, je vais t'y pour ton épargne. Ah. Oui. Gérard pourrait se réveiller demain matin et décider d'épouser quelqu'un d'autre. Surtout tous ces hommes riches, on ne peut pas leur faire confiance. Non, non, non. Gérard ne me ferait jamais ça. Il ne le fera jamais. Il m'aime tellement. Ah, meuf. Tu ne vois pas les histoires sur les réseaux sociaux? Le mariage de nos jours n'est pas comme le mariage à l'époque de nos parents. Quand c'était pour le meilleur et pour le pire. De nos jours, c'est jusqu'à nouvel ordre. Alors ouvre tes yeux. Tout peut arriver, ma puce. Ouais. Tu dois y réfléchir. Je ne fais que te conseiller en tant qu'ami. Je sais que Gérard t'a épousé à cause de ton statut ou parce que tu remplis ses critères. Et si un jour il se réveille et rencontre une nouvelle fille attractive et encore plus jolie que toi, alors tu disparaîtras. Tu dois y réfléchir, meuf. Merci beaucoup pour cet argent. J'apprécie vraiment. Allez. C'est quoi cette humeur? Allez, meuf. Laisse-moi t'offrir quelque chose à boire. Hey, barman. Salut bébé. Bienvenue. Gérard, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une belle ambiance. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que tu as raté? Allez bébé. Je voulais faire quelque chose pour nous. Écoute, depuis que nous sommes rentrés de notre lune de miel, nous n'avons pas vraiment eu le temps. Il y a tellement de distractions et ces distractions ne nous aident pas vraiment. Alors, j'ai voulu faire ceci. Question de passer du temps ensemble. Juste toi et moi. Gérard, c'est très gentil de ta part. Je sais, ça m'a tellement manqué. La façon dont tu as toujours été romantique. C'est vraiment gentil de ta part. Ouais. Tu sais, ces moments romantiques m'ont vraiment manqué. Ces moments où je suis avec ma femme dans la baignoire. La rendre... Tu sais bien de quoi je parle. Ça m'a aussi manqué. Tu sais, je t'aime. Et je veux que notre mariage fonctionne. Je t'aime aussi. Devine quoi? Ce n'est pas tout. Je t'aime vraiment, tu sais, bébé.
Mais c'est quoi ça? C'est l'amour. Hey! Qui va nous faire? Tu vas faire que pendant tes fesses vont s'éclater. Elle va mouiller ses lits. Tes fesses vont s'éclater sur ses lits. N'importe quoi. Qui va nettoyer ça? Je ne sais même pas qui m'a envoyé faire ce stupide travail. Je vais prier et gêner pour que tes fesses s'éclatent sur ses lits. C'est bon. Hé, reviens ici. C'est comme ça que tu t'habilles? Ah, ah, madame, c'est comme ça que je m'habille, qu'est-ce qu'il y a? Où crois-tu être? Ton village, n'est-ce pas? Regarde, madame, calme-toi, non? Je n'ai pas juste l'argent, si c'est pour la mode. Laisse tomber. Caro, je suis une pro. Ne sais-tu pas que vivre sous le même toit que Gérald Anosy est une grande opportunité de changer ta vie? Si j'étais toi, je ferais n'importe quoi pour qu'il soit tiré par moi. Ou tu n'aimes pas l'argent? Cet argent dont tu parles, nous ne sommes pas venus dormir à Lagos, non? J'aime l'argent. Bien sûr que tu n'aimes pas, sinon tu ne serais pas habillé comme quelqu'un qui est confus par la vie. Tata Kassi, ne parle pas comme ça, oh. Tu ne vois pas mon style? Tu ne vois pas mon maquillage? Tu ne vois pas mon mélange de couleurs? Tu ne vois pas tout? De quoi est-ce que tu parles même? Regarde-moi, non? Ah, idiote! Ah, essaye de montrer tes seins. Porte des mini-jupes. Ou est-ce que tu ne sais pas que tout ce que tu pourras lui faire te transformera de ménagère en madame? Voilà mon plan. Ok. Voilà mon plan, non? Ah, ah. Mais mon patron sait que je suis une femme mariable. Mieux de toi, même la Bible dit « Travaille et prie ». On prie dans la chambre. Voici le travail que je suis en train de faire. J'espère que tu fais bien ton travail. Ah, je fais bien mon travail. Demande à ton amie qu'elle va venir. J'ai fait mon travail très bien. Hey, ma puce, comment tu vas? Madame, Tata Kassi est là-haut. Hey, bonjour, ma belle.
Comment tu vas? Je suis très belle. Merci, je vais bien. Te voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'échappes? J'organise une fête, meuf. Une fête? Oui, mon cœur. Pourquoi? Rien du tout. Rien du tout. Cassie, tu organises une fête pour rien? Mes copines, allez. Tu sais que ta meuf a besoin d'argent, non? Tu dois toucher un peu de naira et de dollars. Juste que tu y es fâchée. Tu lises juste le mot correct. Tu y es fâchée, mon ami. Ma chère, qui organise une fête pour aucune raison? Qu'est-ce que tu veux manger? Caro, Caro, qu'est-ce que tu veux manger? Oh mon Dieu, c'était super génial. La fête était, je t'assure, c'était trop... Oh, wow. Salut Daphné. Salut Gérard. Salut Gérald. Salut les filles. Est-ce que Daphné est prête? Prête pour? Nous sortons ce soir et nous sommes venus la chercher. Oh, ouais. Non, je suis désolé. C'est vraiment triste. Parce que ma femme ne sera pas de la partie cette nuit. Oh non, non, elle nous en fait dit de venir la chercher. Ouais. Bien, elle a dit qu'elle n'allait pas sortir avec vous. Es-tu en train d'insinuer que nous manquons? Je vous dis que c'est ce qu'elle a dit! Salut! Wouh! J'ai canon, meuf! Elle a tout flanc. Comment vous trouvez? Allez, on y va? Si j'étais un mec, c'est moi qui allais te faire la course ce soir en boîte. Bébé, je dois sortir avec mes filles. On se verra à mon retour, ok? Je suis devenue folle! Est-ce qu'il vient de me demander ça? Attends, va pas chez toi! Je suis sûr que ça va, hein, Daphné? Gérald, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Ne parle pas à mon ami de la sorte. Que je ne devrais pas parler à tes amis comme ça. Mais tes amis peuvent venir chez moi comme elles veulent et insulter ma dignité. Alors c'est ça? Nous partons en boîte pour nous amuser. Ce n'est pas comme si nous allons la séquestrer ou autre chose. Exactement. Peux-tu me la fermer? Ferme-moi ce qui te sert de bouche. Ferme-la. Gérald, tu sais quoi? Nous aurons cette conversation quand je vais rentrer. Pour le moment, allons nous amuser. Ouais. Assieds-toi. Assieds-toi là. Et vous, sortez de ma maison. Écoute, Gérald, tu dois vraiment te calmer. Ça fait longtemps que nous sommes amis. Et dis-lui. Elle, c'est ma femme et elle ne peut plus être votre amie. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée. C'est une femme mariée. Ne suis-je pas également une femme mariée? Pareil pour moi. Femme mariée? Je peux le voir. Vous, les filles, vous ne pouvez plus jamais être amies avec mon épouse. Tout ce que vous êtes devenu pour nous depuis que nous sommes mariés, c'est une mauvaise influence. Les boîtes aujourd'hui, le shopping demain, en gaspillant mon argent. Suis-je le seul homme marié de Lagos? C'est quoi tout ça? J'en ai marre. Gérard, s'il te plaît, si tu ne veux plus de mes amis chez toi, je vais devoir partir avec elle. Point. Bien sûr, meuf. Vous ne partez pas? J'ai dit sortez de ma maison! Arrête tout ça, Gérald. Nous allons quitter ta maison. Si ce n'est pas en urgence chez nous, je vais dire, regarde-nous très bien. Est-ce que nous ressemblons à des grédines pour toi? Bien. Va sur le net et fais des recherches sur le mot grédine. La première photo que tu verras, ce sera la tienne. Tu dois vraiment redescendre sur terre. Je veux dire, c'est vous quoi? Êtes encore là? Mais qu'est-ce que t'es fait? Ne me laissez pas ici, ok? Allez, ne me laissez pas! T'es caché? Sortez! Folleuse! Assurez-vous de sortir du portail! Je ne vais plus vous voir là-bas! Les filles, ne me... Oya, toi, dans la chambre, en pyjama, s'il te plaît. Maintenant! Oui, monte, oui, monte, 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 fais, monte, monte, monte! Tu es encore là? Fais. Les filles, être mariée ne veut pas dire qu'on est en prison, hein? Copine, je veux dire, ce n'est pas censé être un emprisonnement, n'est-ce pas? Comme... Ce n'est pas parce que je suis mariée que je ne vais pas profiter de ma vie au max comme je le souhaite. Ha! Alors si c'est ça le mariage, moi je ne suis pas intéressée, oh. Ce qui est drôle, c'est comment Gérard essaye de contrôler ma vie. Il me dit où aller, alors que je dois rentrer, ce que je dois porter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il m'empêche de me détendre avec ma bande. Ce n'est pas parce qu'il se sent menacé par nous. Exactement, je veux dire. Il sait qu'une fois que tu seras avec nous, on ne pourra pas te laisser être contrôlé par un homme, d'accord? Les filles,
Nous sommes des femmes et nous dirigeons le monde. Mmh. Nous ne devrions pas laisser ces mecs nous rabaisser juste pour nourrir leur ego. Ouais. Tu gagnes pour t'as raison. En fait, où est Kim? Elle est censée être ici, n'est-ce pas? Je vais essayer de l'appeler. Cette fille est impossible. Salut, ma puce. Salut, ma belle. Où es-tu? Oh, je suis désolée, vous allez devoir continuer sans moi. Quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Vraiment, je ne comprends pas, Kim. Tu es toujours trop occupée. C'est quoi ton problème? Je sais, d'accord. Mais vous savez à quel point je peux être occupée, n'est-ce pas? Chérie, nous sommes toutes occupées, d'accord? Ce n'est pas une excuse. Tu sais qu'il y a occupation et occupation. De toute façon, peu importe. Je te parlerai plus tard. Bye. Les filles, qu'est-ce qui se passe avec cette Kim? Pourquoi est-ce qu'elle essaie toujours de se prendre la tête? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Pardon, avec qui est-ce qu'elle se prend la tête? Hein? Après tout, il n'y a que ses abonnés Instagram qu'elle a plus que nous. Hein? C'est grossier. Salut, salut. Y a-t-il quelqu'un ici? Claro est à la maison. Salut. Ton boss est-il à la maison? Ma patronne n'est pas là. Elle est sortie. Elle n'est pas là. Qui demande ta patronne? Est-ce que ton patron est là? Mon patron? Hey, s'il te plaît. N'es-tu pas l'ami de ma patronne? Pourquoi est-ce que tu veux voir mon patron? Est-ce que tu me demandes ça? Dada, je ne vois personne d'autre ici. Oh. Il n'y a que toi et moi ici. Alors, je ne sais pas qui d'autre parle si ce n'est pas toi. Putain, tu parles beaucoup. Hé, pourquoi je ne parlerai pas? Cette bouche, hein? Dieu a donné cette bouche à Caro pour parler. Je vais l'utiliser pour manger et pour parler avec. N'importe comment, tout ce que je vais dire, je vais l'utiliser. Ça ne te concerne... Où est ton patron? Ah! Hé! Hé, hé! Patron, il est en haut. Je vais le voir. Passe comme ça. Hé! Caro, hey, hey, je vais danser. Caro est arrivé, Caro est arrivé. Caro, hey, je vais danser. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que tu te retrouves là dans mon intimité? Comme si nous avons une connexion ou quelque chose. Détends-toi. Hé, 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 ne t'approche pas de moi, sinon je ferai l'inimaginable. Va-t'en. Tu aimes ce que tu vois. Daphné, je crois que tu dois divorcer. Un divorce? Bien sûr, meuf. Comment est-ce que tu peux rester mariée à un homme babysitter? On ne peut pas te laisser faire ça. Et je ne suis pas prête à me marier à un homme qui ne me laissera pas vivre ma vie. Ce genre de mec n'est pas fait pour moi. Ne peux-tu pas voir que Gérald te contrôle? C'est pour ça que je me suis mariée avec un homme de 90 ans. Tu vois, il n'a pas la force de se mettre sur mon chemin. Est-ce que vous avez vu comment il nous a mis hors de sa maison l'autre soir? Il n'a aucun respect pour tes amis. Et je suis sûre qu'il n'a aucun respect pour ta famille également. Meuf, Gérald n'est pas un homme pour toi. Il ne l'est pas. Nous avons besoin des hommes que nous pouvons contrôler, des hommes qui ne pourront pas se placer sur nos chemins, des hommes qui peuvent faire tout ce qu'on leur demande de faire. N'est-ce pas ça notre but? Meuf, tu demanderas le divorce et c'est tout. Et tu ne quitteras pas ce mariage sans. Tu sais de quoi je parle. Tu prends l'argent et tu te casses, meuf. Utilise et jette. Tu es montée, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qu'est-ce que tu faisais là au début? Hein? Je priais. Priais? Hey! Comme ça, c'est comme ça qu'on s'habille pour venir prier chez quelqu'un? C'est comme ça qu'on s'habille pour venir prier chez quelqu'un? Ma patronne n'est pas là et tu t'habilles comme une prostituée pour venir chez nous. Priez mon œil. Quel genre de prière faisais-tu dans la chambre de mon patron? Je ne sais pas. Madame va rentrer et je vais te lui dire. Patron,
Madame n'est pas là-haut. Cette femme était là-bas. Patron, ça fait longtemps que je regardais l'heure. Je connais l'heure qu'elle entrait là-dedans, monsieur. Cette femme est là depuis 24 minutes, 16 secondes. Elle était avec toi. Je suis fâchée, patron. Patron, moi je suis fâchée, oh. Hein? Je suis fâchée, patron. Je sais que tu veux remplacer madame. Mais si tu dois la remplacer, je ne suis pas celle qui suis. Monsieur, je suis celle qui suis. Je suis une femme mariable. Patron, c'est à toi que je suis en train de parler, oh. Ah, je vais le dire à madame. Hein? Tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Je pars dans mon bureau. Si madame rentre aujourd'hui, elle sera au courant de tout. Aujourd'hui, je vais tout raconter à madame. Tu vas voir que Caro va tout raconter à madame. C'est quoi ça? Bonjour, toi. Bonjour. Tu as apporté ça? Tu es surpris? Ouais, plutôt surpris. Eh bien, j'ai pensé à commencer ta journée avec un geste romantique. Waouh. Oui. C'est vraiment gentil de ta part. Bien que tu ne l'aies pas fait. Mais plutôt Caro. Mais je l'ai servi, c'est ce qui compte, pas vrai? Bien, c'est vrai, je te taquine juste. C'est bon. Ok. Je vais prendre mon petit déjeuner au lit. Oui, mon amour. Merci. Laisse-moi voir ce que nous avons là. Oui. Super, super. J'ai regardé tous les documents. Ça marche, ça marche. Absolument. Alors, un demi-milliard en 3 semaines, vous dites? C'est un gros chiffre. Non. C'est vraiment énorme, je vous assure. Vous le savez, si ça marche très bien, je serai contraint d'investir 1 milliard. Ou même plus. Bien. Ok.
Faisons comme ça. Je suis vraiment très excité. De nouvelles frontières, partenaire. Ok. Ok. Je vous envoie un email tout de suite. Et je dirai à ma secrétaire de vous donner d'autres documents demain. Hé, c'est encore très tôt le matin, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour bébé. Tu n'es pas ici pour me voir, n'est-ce pas? Gérald, tu ne m'as pas appelé depuis la dernière fois. Kimberly, je t'ai occupé. Vraiment, Gérald? Écoute, Daphné est à la maison, je ne veux pas qu'elle te voie ici. Je m'en fiche. Que veux-tu dire par tu t'en fiches? C'est ton ami. Je m'en fiche toujours. Ok, tu sais quoi? Vas-y, je t'appellerai, d'accord? Je t'appellerai. Tu me le promets? Oui, je te promets. Oh. J'en ai envie et je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas. Comment ça, pourquoi? Copine, je suis une femme à marier. Et oui, je respecte mon mari. Et oui, en passant, de grâce, je ne pense plus que j'irai en boîte. Bye. Salut, bébé. Hey. Laisse-moi comprendre un truc. Tu ne veux plus aller en boîte avec tes amis? Non. Bébé, je ne veux plus du tout ce mode de vie. En ce moment, je veux juste me concentrer sur mon foyer. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Ah, Caro, tu devais être une musicienne. Ah, parce que j'ai la poitrine, j'ai les fesses, je sais cuisiner. Normalement, Caro est une femme mariable. Hey, normalement, je suis une femme mariable. Hey, Caro connaît. Caro? Madame, bonjour.
chérie. Caro. Je veux que tu me fasses une faveur, ok? Caro. Madame. C'est à toi que je parle. Caro. Tu es une femme comme moi, n'est-ce pas? La vérité est que j'aimerais impressionner mon mari. Alors j'aurais besoin d'une faveur. Caro, j'aimerais que tu fasses deux choses pour moi. Que tu m'apprennes à faire des mets très simples. Genre, je veux que toi, tu me jettes les fleurs. Genre, j'apprends vite, je cuisine bien, je cuisine vraiment bien et tout le reste. Caro. Oui, ma chérie. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne veux pas m'apprendre à cuisiner ou tu ne veux pas me jeter les fleurs devant mon mari? Pourquoi? Madame, tous les deux, je ne peux pas. Madame, tu vois ce genre de truc, hein? C'est un talent que Dieu qui est au ciel, c'est lui qui a donné à Caro ce talent. Comme tu peux le voir, Dieu donne le talent à certains d'être belles comme ça. Et Dieu aussi, comme il est intelligent, il a encore donné à certaines le talent d'être belle et de savoir cuisiner. Deux talents. Caro, ça suffit. Penses-tu que c'est une blague ou quoi? Oh. Je comprends. Donc, Caro, parce que je t'ai dit que c'était une faveur. Toi, regarde celle-là. Tu veux maintenant te prendre la tête avec moi? J'aime ce style de danse. Qui c'est, Daniel? Sinclair, maintenant écoute-moi. Ce n'est pas une faveur, c'est un ordre. Tu vas m'apprendre comment cuisiner. En même temps, me jeter les fleurs devant mon mari, ok? C'est un ordre. Ou sinon, tu sortiras de ma maison. Essaye-moi. N'importe quoi. Aucun talent. Une patronne qui n'a pas de talent. Hein? Je vais me prendre la tête, non? Bien sûr, Caro doit se prendre la tête, non? Caro a du talent. Ha! Comme tu vois, comme c'est la sauce que nous voulons faire. Pour la sauce. Et tu dois faire, tiens, petit. Alors, si tu veux découper, tu dois faire comme ça. Tiens. Découpe. Ma chérie. Attends. Pas avec ces longs ongles de Jezabel. Ce n'est pas avec ça qu'on peut cuisiner. Comme ça? Découpe-les. Comme ça? Regarde. Ok. Oui. Dieu, madame, c'est comme ça que tu vas apprendre à cuisiner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui, c'est un appel de conférence. Cassie, oui, écoute. Écoute, le plan marche. Oui, Gérard croit maintenant que je suis une bonne épouse. Copine, le plan fonctionne à merveille. Alors, quelle est la prochaine étape? Merci. Je pense qu'il est temps de passer à la prochaine étape. Ok. Je suis perdue, les filles. Que se passe-t-il vraiment? C'est ce qui arrive, meuf, quand tu rates le rendez-vous des filles. Je vais t'aider, Kimberly. Daphné essaye de divorcer de Gérald, mais elle a besoin d'une grosse somme d'argent avant cela. Ah, les filles, je vous en supplie. Voyez cette histoire de mariage, ce n'est vraiment pas pour moi. J'ai hâte de quitter ce mec, je suis fatiguée. À la rue. Ok, au revoir les filles. Ouais. Thank you.
Bébé. Pas ce soir. Bébé. Pourquoi? C'est ton anniversaire dans quelques jours. Je veux me réserver pour toi et te donner un traitement spécial. Bébé, tu te souviens encore de mon anniversaire? Bien sûr. Tu es ma femme. Je me souviendrai toujours de ton anniversaire. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour comme cadeau d'anniversaire? En fait, c'est une surprise. Mais si tu as un cadeau supplémentaire que tu voudrais que je t'offre, pourquoi pas? Laisse-moi juste le connaître. Du sucre. J'aime bien comme ça sonne. Je sais. Tu sais quoi? Je te reviendrai demain. D'accord. Bébé. Ne t'en fais pas. Je t'aime tellement. Juste quelques jours. Un cadeau d'anniversaire spécial pour toi, c'est ici. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. T'as échappé belle. D'accord, mon amour. Juste dans quelques jours. Je reviens. Oui. Je l'ai déjà noté. Déjà fait, je l'ai déjà noté. Ça aussi, j'ai noté. Tu penses à quoi d'autre? Oui, 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 oui. Ah, l'autobiographie. Oui. Meuf. Meuf, si Gérard me donne tout ça, meuf, je serais prête à partir. Le mariage n'a jamais aidé personne. Alors je suis prête à dire au revoir au mariage. Oui, oh. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Crache le morceau. Salut, mon amour. Salut. Comment tu vas? Ah, ah. Mais qu'est-ce que c'est? Ah. Liste de ce que je voudrais pour mon anniversaire. Oui. Une maison en mon nom. Oui, bébé. Mais tu as celle-ci. Voyons. Une Range Rover 2022. Et une autobiographie. Oui. Bébé, j'adore cette voiture. D'accord. De l'argent pour me lancer dans le business de l'immobilier. J'adore les propriétés. Pourtant, je croyais que tu n'aimais pas les affaires. Tu m'as pourtant dit que tu voudrais être une femme au foyer. 200 millions de Naira, cash, comme cadeau d'anniversaire. Oui. Ah, bébé, qu'est-ce qui est drôle? Toi, et cette liste, je t'assure, cette liste est vraiment hilarante. Ce n'est pas une blague. Bien sûr que c'est une blague. Et bien, ça allait d'en être. Tu essaies de me dépouiller et fermer tous mes comptes bancaires? C'est ce que tu essaies de faire? Gérard, peux-tu juste arrêter ça? Il est plus grand que ça, c'est toi qui m'as demandé de faire une liste pour mon anniversaire. Voilà la liste. Super.
Écoute, Daphné, il y aura une fête ici le jour de ton anniversaire. Juste en ton honneur, tu pourras inviter tes amis. Quelques-uns de mes amis de l'Angleterre seront aussi présents, ceux qui avaient manqué notre mariage. Ils aimeront te rencontrer. C'est mon anniversaire, petit juste. Fais-moi confiance, il y aura beaucoup à manger. Qu'en est-il de la liste? Il y en aura du poulet, du caviar, tout ce que tu voudras. Gérald, ce n'est pas juste. Ah, mon Dieu, que c'est incroyable. Donc, la reine de la soirée. Oh, mon amour, bébé. Ouais. Tu es super belle. Ma femme est là. Oh, je pense que mes amis sont là. Les mecs sont là. Content de te voir. Moi aussi, franchement. Aussi. Nous avons des gobelets, de la boisson et bébé, cola. Salut. Cassandra. Salut. Allez. Cassie, c'est ainsi que tu me salues. Écoute, Cassie. Le fait que mon cousin et toi soyez divorcés ne fait pas forcément de nous des ennemis. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes au juste? Est-ce que tu vas bien? Genre, est-ce que tu sais ce que tu racontes là? Ce n'est pas possible. Bon sang! Cassie! Femi et toi n'êtes pas divorcée? Cassie, mais dis quelque chose. Attendez. Donc vous ne le saviez pas? Ça fait un an maintenant qu'ils sont divorcés. Ah, Tata Cassie, je l'avais dit. Oh. T'es choquée? Est-ce que t'es pas par hasard pile? T'es ici à te pavaner avec les grandes filles de Lagos pendant que ta mère souffre au village. Hey, sa mère ne vit pas dans ce pays. Ok, alors corrige ta phrase. Oh, exactement. Son nom est Neka. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta mère est souffrante et les villageois ont contribué pour qu'elle survive. Survivre. Je ne connais pas cette fille. Comment es-tu arrivée ici en premier lieu? Lâche-toi! Allez,
Hé. J'espère que tout le monde va bien maintenant, n'est-ce pas? Tous les malentendus sont finis. Quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire. Alors vraiment désolé pour les mésentendus et les découvertes. Est-ce que quelqu'un a découvert autre chose? Ok, d'accord. La raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est pour le cadeau spécial de ma femme. Sa raison basée sur un document. J'espère que c'est un document de maison pour mon ami. Alors, j'ai apporté ça aujourd'hui. Pas à cause de ce que j'ai découvert que tu voulais, mais parce que je l'ai découvert récemment. Je ne trouve pas cette carte, mais où est-ce qu'elle est? Attends un peu. J'espère qu'elle n'a pas pris ma carte. J'espère que cette femme n'a plus pris ma carte. Je dois vraiment changer cette cachette. Toi, tu prenais des précautions pour ne pas tomber enceinte. Daphné. Toi. Gérard, attends, laisse-moi t'expliquer. Je me demande, est-ce que tu as vraiment perdu cette grossesse? Laisse-moi te... Ou alors, tu t'en es débarrassé? Gérard, s'il te plaît, Non, c'est bon. Du moment que je me suis marié avec toi, je savais que ceci n'allait peut-être jamais marcher. Parce que tu es très bien pour être une copine. Mais parlant de mariage, toi, tu n'es pas prête. Non, Gérard, s'il te plaît, ne me fais pas. C'est déjà prêt. Tiens. Les papiers du divorce. Pourquoi est-ce que tu fais une scène dramatique? Non, pourquoi tu fais une scène dramatique? N'est-ce pas ce que t'as toujours voulu? Non. Oh, tu es surprise que ce soit moi qui te le donne. Monsieur. Tu croyais que c'est toi qui allais me donner les papiers du divorce, n'est-ce pas? Je l'ai déjà fait. Avec cette liste ridicule que tes amis racailles t'ont aidé à créer. Non. N'est-ce pas? Non, je veux dire, qui veut qu'il m'a donné toutes les informations? Quoi? Et elle m'a tout raconté. Kim, tu peux les toucher. Tu dois vraiment arrêter. Non. Arrête ça. Tu dois vraiment partir maintenant, s'il te plaît. Gérald, nous savons tous les deux que tu en as envie. Je veux dire, tu sais ce que je veux. Tu vas me donner de l'argent, je vais te donner du sexe. Je suis mariée à ton ami. Gérald, ça importe peu, elle n'est pas obligée d'être au courant de ça. Et si je ne suis pas attirée par toi? Pareil pour moi, Gérald, je suis attirée par tes poches. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Ok. Même si quelque chose doit se passer, c'est pas ici. Pas dans cette chambre. Alors, oh...
Je ne veux rien penser là maintenant. Je vais faire un truc, puis je te rappelle, ok? Oh, Gérald, tu n'as même pas mon numéro de téléphone. Ok, mais j'ai le tien, je t'enverrai un message. Parfait. Assure-toi de m'appeler. Je sens qu'il me rendra vraiment heureux. Viens là, mon cœur. Hein? Hein? Hey, viens là. Ce n'est pas possible. Non, non, ne fais pas ça. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Je t'aime tellement. Cette chose? Daphné, tu as 30 minutes pour prendre tes affaires. Ok? Je t'aime, Gérard, je t'aime. Non, fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en prie. Tu vas. Non, tu sais, monsieur, tu es méchant. C'est moi qui devais être la prochaine. Tu sais que je devais être la prochaine, madame. Non, écoute-moi. Monsieur, tu sais que c'est moi la prochaine. C'est moi la prochaine. Tu es vraiment méchant. Tais-toi. Lâche-moi, je ne veux plus de toi. Arrête ça. Ah, laisse-moi tranquille avec ça. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Madame, allons chercher le patron. Allons chercher le patron. Qui est cette stupide fille? Stupide fille. Imbécile. Madame, allons chercher le patron. Allons-y. Non. Je suis une femme mariable. Non. Non. Allons-y toutes. Aidez-moi. 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 Red, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Et moi ?